Salut les techniciens, c'est Hamslo. Désolé, il fallait que je fasse ça pour dire à Bob que je fais une vidéo. Ah là là, ce Bob, je te jure, il me casse souvent les castagnettes. Bref les gars, salut les techniciens, c'est Hamslo. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière avec un joueur très particulier. Un joueur qui a 5 étoiles de GS Technique et qui est bronze. Et oui, donc ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas eu des joueurs bronze avec 5 étoiles de GS Technique. Ça remonte à peut-être FIFA 13 ou FIFA 14. Je crois que le dernier en date, c'était Litrundle, si je dis pas de bêtises. Bref, ça fait plaisir de revoir des joueurs bronze avec 5 étoiles. Aujourd'hui, on va donc jouer avec Edison Flores, voilà, le Péruvien. Il a des stats, bah voilà, c'est un joueur bronze, donc on s'attend pas à du lourd, évidemment. Mais 69 de vitesse avec 61 en tir. C'est pas ce qu'il y a de mieux, évidemment, en joueur bronze. Après, bon, 5 étoiles de GS Technique, évidemment, et 4 étoiles de mauvais pied. Je l'ai mis dans une équipe très originale avec, donc, Rui Diaz en buteur. Je peux vous le conseiller, c'est un joueur qui joue, donc, en Liga Bancomer MX, donc, Ligue Mexicaine. Il aura, donc, un lien avec Cario, que j'ai mis, donc, à droite, 5 étoiles de GS Technique. Et donc avec des joueurs de Liga Bancomer MX, par exemple Arroyo ou Fidel Martinez en joueur 5 étoiles, ça peut vous aider à créer des petites équipes, bah voilà, plutôt cool. Donc du coup moi j'ai mis Edison Flores, évidemment, en milieu. Alors ces deux milieux là, ces deux Danois là, je ne les connais pas, je les ai mis pour le collectif. Ensuite on a Danilo, Mariano, Eli, on a aussi donc Maciello que j'ai eu dans un pack invendable. En gros, je ne peux pas le vendre, donc voilà. Et puis, on a donc Di Marco en défenseur gauche. Alors, pourquoi j'ai pris Di Marco? Parce que je voulais rester dans l'optique, on va dire, originalité, bronze, argent, or. Et c'est exactement ce que j'ai fait à chaque fois, en fait. Bronze, argent, or pour les attaquants. Pour les milieux, bronze, argent, or. Pour la défense, bronze, argent, et Mariano en or. Donc, voilà. Bah écoutez, les gars, on va arrêter de parler parce que je parle trop souvent. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo justement avec Nathan Odoua, l'autre joueur avec 5 étoiles de GS Technique qui est bronze. Et puis nous on est parti pour essayer de casser des reins avec cette équipe. Oh yo yo, on était pas loin là, on était pas loin de tirer. Il y a une équipe de fou furieux, hein. Il y a la Juventus avec Gattuso. Donc ça va être compliqué de dribbler cet adversaire, on va faire du mieux qu'on peut évidemment, comme d'habitude et comme à chaque vidéo. Hein. Oh là 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 là, oh là là, mais il est chaud hein. Il est chaud, c'est incroyable. Mec, devant lui, il y a Chiellini et Bonucci, il leur a fait une virgule, ils ont pas compris les mecs. Ah, par contre, nous on va pas comprendre non plus. Parce que notre défense, elle est pas ouf. Heureusement, il tire à côté. Bon, l'objectif de cette vidéo, hein, c'est de marquer un but skill avec Edison Flores. C'est pas de gagner, c'est pas de... Hein, parce que t'as vu l'équipe quand même. J'ai essayé de faire une équipe originale, mais bon, j'ai privilégié l'originalité que la force de l'équipe. Parce que notre équipe, elle est pas hyper forte. Hein. Ah non, bah ouais, maintenant il est blessé direct. Il se blesse direct. Oi, oi, oi. Mais c'est compliqué, hein, franchement, y a rien à dire. N'hésitez pas à relever le défi, les gars. Ouais. Bah ouais, relevez le défi. Prenez Edison Flores, faites une équipe autour de lui et essayez de marquer un but skill avec lui. Oh là là, mais il a une trop bonne équipe et en plus il gagne du temps. Mais Théma, mais on est en saison quoi, il y a 1-0. Mais mec, j'ai une équipe avec des joueurs bronze. Il a l'équipe de la Juventus, son équipe elle vaut 300 000 crédits. La mienne elle vaut même pas 20 000 crédits, le mec il gagne du temps, putain. C'est n'importe quoi ce jeu de merde. Putain, quelle communauté à la con! Sérieusement, quoi! Putain, c'est incroyable! On n'a pas de chance aujourd'hui, les gars! Eh, je jure, on n'a pas de chance! Yann Goufal, et c'est un but, il passe devant au score. On te suck your blood, vampire. Évidemment, vous voyez pas ma gueule, vous me voyez pas danser, donc le rituel n'est pas au complet, on va dire que c'est à cause de Bob. Ah punaise, et on passe
On passe avec le Waka Waka, enfin le Ronnie Waka Waka. Malheureusement, bah voilà, on termine sur un nul. Le gardien la chope avant qu'on tire. C'est vraiment hyper dur, les gars. On va partir pour un troisième match. En plus, ce premier match, il m'a complètement... Enfin voilà, j'étais KO là. Regardez, allez, comme par hasard, on tape le poteau. On tape le poteau. Pff, aïe, aïe, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bref, en tout cas, les gars, on va partir pour un troisième match, évidemment. Parce que là, bon, je vais pas te mentir, l'équipe, elle est dégueulasse, hein, voilà. J'ai privilégié l'originalité plutôt que la force de l'équipe. Avoir une équipe forte plutôt qu'originale. J'essaie de faire les deux, mais voilà, c'est très difficile avec les joueurs, donc, comme Flores ou Rui Diaz. J'essaie de rajouter, voilà, quelques bons joueurs, mais c'est très dur. Et puis, voilà, j'essaie de faire bronze, argent, or. Enfin, tu me connais, voilà, je voulais jouer l'originalité et malheureusement, voilà, ça paye, hein, évidemment. Donc, en tout cas, on va partir pour le troisième match et j'espère qu'on va... qu'on va marquer un but de fil avec Flores. C'est magnifique ça, vas-y Flores, t'es tout seul. Oh oui Flores. Mais non, faut tirer, mais non. Mais on n'a pas de chance aujourd'hui. Bien joué gardien. Allez Flores, il a plus de forme. Oh oui, vas-y, c'est bien, tacle. Encore un tacle. Oui. Oui. Faut du foulard. Oui. Pa pa pa. Et voilà. Yes. Il a taclé les gars. Je vous l'ai dit, quand les gens ils taclent en face, c'est beaucoup plus simple. Et là on marque le coup du foulard. Magnifique. Magnifique. Voilà, coup du foulard croisé au ras du poteau. Ouh. Enfin les gars, enfin. Ah ouais, on peut même pas sortir le champagne là, il a déjà marqué un but, c'est quoi le délire? Bon, c'est dur, c'est très dur les gars, c'est très dur, mais on a réussi notre objectif sur le troisième match là. Coup du foulard les gars, coup du foulard. Avec un joueur bronze, 5 étoiles de GS Technique, ça fait plaisir, bon, on n'a pas remporté ce match. Après on est en saison, hein, donc le niveau est un petit peu plus élevé, je suis en division 5 je crois. Donc c'est très compliqué de jouer contre des adversaires voilà, qui ont déjà des équipes de fous furieux. Donc voilà, ça reste compliqué. C'est vrai que ça serait plus simple d'aller en match amical. Mais je préfère, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, hein, avoir un petit peu de challenge. J'aime bien le challenge, voilà, c'est pour ça que j'ai créé une équipe originale avec bronze, argent et or. J'aime bien, voilà, j'aime bien, ça me permet d'être original, tu vois, dans le sens où... bah voilà, je fais pas les mêmes équipes que tout le monde. Et du coup, bah des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était compliqué. En match simple, ça serait beaucoup plus simple, évidemment. Mais j'ai décidé de choisir le mode saison. Et voilà, quoi, ça a donné ça. Ça a donné un coup du foulard au troisième match. Donc je suis assez content. N'hésitez pas à mettre un... Franchement, éclatez-moi cette barre de gemmes, les gars, pour Edison, Flores et son coup du foulard. Coup du foulard avec un joueur bronze, 5 étoiles de GS Technique. C'est... voilà. On pouvait pas mieux finir en fait. Si, on pouvait mieux finir, on pouvait gagner le match. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais c'est pas très grave. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Et puis, bah voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de chausser vos crampons. Et puis, on se retrouve donc très prochainement. Ciao, ciao, les amis.